Apple présente de nouveaux Macs survitaminés, DJI présente un tout nouvel Osmo Pocket 3, PlayStation lève enfin le voile sur les prix et la disponibilité de ses écouteurs sans fil. On fait le point tout de suite avec la Geek News. C'est le 30 octobre qu'Apple a annoncé lors d'une keynote entièrement filmée à l'iPhone 15 Pro Max de nouveaux Macs. Les iMac 24 pouces et les MacBook Pro 14 et 16 pouces sont désormais équipés d'une nouvelle puce Apple, j'ai nommé la M3. Cette nouvelle puce M3 est un monstre de puissance. Gravée en 3 nanomètres, elle vous permet de bénéficier de performances jusqu'à 2,5 fois plus rapide qu'une puce M1 et vous promet en plus de ça une plus grosse autonomie. Aucun changement au niveau du design pour ces Macs, mais la possibilité de choisir entre une puce M3, M3 Pro ou M3 Max suivant vos besoins de performance. Le prix de départ pour l'iMac 24 pouces est de 1599 €. Le MacBook Pro 13 pouces, lui, disparaît totalement de la gamme et laisse place au MacBook Pro 14 pouces, qui est affiché au prix de départ à 1999 € et 2999 € pour le MacBook Pro 16 pouces. Enfin, une toute nouvelle couleur noir sidéral vient s'ajouter au catalogue suivant le modèle que vous allez choisir. Alors, prêt à passer à la caisse ? DJI a présenté son nouvel Osmo Pocket 3. C'est le compagnon idéal pour les vlogueurs et les youtubeurs. Équipé d'un capteur 1 pouce, il permet de filmer en 4K jusqu'à 120 images secondes pour réaliser notamment de très beaux ralentis avec une stabilisation hors norme puisqu'il est équipé de 3 axes mécaniques. Ultra portable et léger, il est également équipé d'un écran 2 pouces qui vous permet de filmer en mode horizontal ou vertical. Et bien sûr, il dispose de toute dernière technologie de tracking signée DJI. Son autonomie est de 166 minutes, il est tout à fait possible en plus de ça de ajouter des accessoires comme par exemple le DJI Mic 2 pour une captation de voix plus précise ou bien encore une batterie supplémentaire. Pour vous rendre compte de la qualité de cet appareil, je vous invite à aller visionner la vidéo de Han Fan sur la chaîne YouTube Le Journal du Geek. Cet Osmo Pocket 3 est proposé au prix de 539 € et 679 € si vous souhaitez le pack créateur avec de nombreux accessoires. En bref, avec cet Osmo, vous pourrez donc laisser votre smartphone de côté pour prendre des vidéos et des photos de qualité. PlayStation officialise enfin le prix et une date de sortie pour ses accessoires sans fil. Les écouteurs sans fil Pulse Explore seront proposés le 6 décembre au prix de 219,99 €, tandis que le casque Pulse Elite lui sera proposé au prix de 149,99 € et sera disponible le 21 février 2024. Tous les deux promettent une filtration des bruits optimale, notamment grâce à l'IA. Personnellement, j'attendrai les premiers retours et les tests avant de me lancer. On termine cette Geek News avec l'événement qui est attendu par tous les gamers et qui a lieu en ce moment même à Paris, à Porte de Versailles. J'ai nommé la Paris Games Week. L'occasion pour vous de rencontrer de grandes marques de jeux vidéo, mais aussi pouvoir acheter divers goodies et participer à diverses animations. Ou vous pouvez tout simplement jouer aux derniers jeux qui cartonnent en ce moment, comme Spider-Man 2, Alan Wake 2 ou alors Super Mario Bros. Wonder. Cette Paris Games Week se termine le 5 novembre, donc ne tardez pas trop. Voilà, c'en est fini pour cette Geek News. Dites-moi en commentaire l'info qui vous a le plus hypé. Et n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux et surtout sur iZradio.com. On se dit à bientôt. Ciao, ciao les geeks.